Moi, je m'appelle Auria Honda, je suis la responsable de l'agence O2 Antibes, où on a une quarantaine de salariés et deux encadrants en agence. Alors, O2 est une marque du groupe WeCare. On est les leaders du service à la personne, on intervient sur plusieurs pôles. Le ménage repassage, la garde d'enfants, l'accompagnement auprès des seniors et des personnes en situation de handicap, et aussi du jardinage. Quel est votre premier réflexe pour recruter ? Le premier et le meilleur des réflexes, ça va être surtout le bouche à oreille, le parrainage. Rien n'empêche d'appeler justement toutes les associations d'insertion pour l'emploi avec lesquelles on travaille ici sur la zone. Il y a toujours une personne auprès de ces associations qui tire un petit peu du lot et qui a une très grande motivation. Comment avez-vous connu Emploi et Service 06 ? Donc j'ai connu Emploi et Service par le biais d'un forum pour l'emploi. Ça a tout de suite justement matché sur eux, leurs demandes et nous, nos besoins. Même s'ils interviennent justement aussi dans le service à la personne, on a tout de suite compris que le mode de fonctionnement n'était pas le même, mais en tout cas, on pouvait s'apporter mutuellement. Et comment a débuté votre collaboration ? On a organisé une information collective. Une dizaine de candidats, justement, nous avaient été présentés. Et ce jour-là, justement, une personne a été sélectionnée et que l'on a embauchée justement juste derrière. Que pensez-vous de ce partenariat ? Aujourd'hui, on peut considérer le partenariat avec Emploi et Service assez fort. On sait qu'ils ont justement, eux, un portefeuille de salariés et de candidats qui interviennent déjà dans les métiers du service à la personne. Donc, on sait que c'est déjà des personnes qui sont formées. Et nous, on arrive sur la finalité, le but du projet professionnel, c'est-à-dire le CDI, un travail en temps partiel ou alors en temps plein et quelque chose de concret, de stable et de fiable aussi. Et les conditions de travail, elles sont définies avec vos salariés ? Quelqu'un qui arrive sur le premier entretien, justement, sur son dossier de candidature et qui nous dit « je suis disponible de 9h à 16h », ben on va respecter de 9h à 16h, on ne va pas aller au-delà de 16h. À ce moment-là, on va construire son planning en fonction de son domicile et de ses disponibilités aussi. Et c'est ce qui fait justement notre force et la longévité de nos salariés. Quelle est la plus-value de cette relation avec Emploi et Service ? Dans les métiers du service à la personne, on le sait, on est toujours dans le rush. Avec Emploi et Service, l'avantage, c'est qu'ils savent justement qu'est-ce que les métiers du service à la personne. Ils savent aussi ce que je recherche. Ils sont les premières marches. Ils amènent tout ce qui est calage de savoir-être. Quelqu'un qui doit se réveiller tôt pour aller travailler justement, qui doit respecter un planning, des horaires. Ils nous amènent justement tout cela. Et nous, on arrive en dernière marche. Nous, c'est le CDI, c'est la clé et c'est l'emploi.